Salut, aujourd'hui le Rajon Rouve, essai d'une batterie exceptionnelle, une Sonor signature Horstlink en Bubinga africain. African Bubinga. Alors, là, j'ai un tome de 8 pouces, n'est-ce pas? Tout est monté en pinstripe, c'est un peu dommage parce que ça ferme un peu le son, mais on peut avoir des basses en l'étendant, c'est déjà pas mal. Il y a un tome de 10 pouces. Il y a un tome de 12 pouces, il y a un tome de 13 pouces, il y a un tome de 14 pouces et un tome de 16 pouces par 18. La grosse caisse fait 22 pouces de diamètre par 18 de profondeur. Et la caisse claire incroyable, Horstlink aussi, dans le même bois. Il faut savoir que le Bubinga africain, on ne peut plus le couper depuis longtemps. Donc c'est très beau, c'est très rare d'en avoir. Caisse claire en Horstlink avec un déclencheur parallèle absolument monumental, avec en dessous un système de renfort avec les deux grosses barres que vous voyez là, n'est-ce pas? Le système est magnifique. Précision absolue, gros cerclage moulé et 10 tirants. Il y a le modèle avec 12 tirants, c'est beaucoup plus lourd et ça rajoute pas grand-chose. Peut-être un tout petit peu plus de précision, mais j'ai pas une oreille de clébard non plus. Je ne suis pas un chien, j'ai une oreille d'homme. Ça suffit largement. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. C'est 12 plis de Bubinga, hein, hêtre et Bubinga. Ça a été fait dans les années 80. Alors, 18, 16, 14, 13, 22 et la caisse claire datent apparemment des années de 85. Le 12, le 10 et le 10 et le 8 sont des tomes d'une série spéciale édition, et ils sont vernis. N'est-ce pas? On voit bien que cela brille un petit peu moins. Le bois est magnifique, absolument magnifique. Et là, ils sont brillants. Donc voilà, il n'y avait plus l'autre série, c'était vraiment les dernières. Les bras de cymbales. Incroyable bras de cymbales, vous pouvez faire 4 mètres de haut, vous les aurez quand même accessibles, parce que ça se monte énormément, n'est-ce pas? Alors là, je suis au bout, mais bon, au pire, voyez-vous, c'est très très grand. Les pieds, ça c'est un pied Sonor Horstlink aussi, Sonor Signature, très très rare. Et de l'autre côté, c'est un pied designer, dont il manque malheureusement le caoutchouc là, mais c'est souvent le cas sur les designers. Toutes les petites pièces en caoutchouc finissent par casser. Évidemment, le caoutchouc, c'est fragile longtemps. Ça, c'est un système magnifique parce que quand on dessert là, on peut bouger les trépieds comme on veut, de manière à avoir un angle au mieux pour soi. Alors, je vais de ce pas remettre la cymbale là où elle était, parce que sinon, moi, ne faisant pas 4 mètres de haut, je ne pourrais pas l'atteindre. Et je vais faire un essai. Attention. Tchac. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a sans le déclencheur, enfin sans le thermo, sans le thermo. Énormément de basses pour un 8 pouces, c'est magnifique. Le 10, le 12, le 13, le 14, le 16. Ah. Il fait résonner plein de trucs. Alors, c'est parti.
effarant. Il y a un petit papillon sur le dessus qui meut deux grandes bandes de feutres qui sont toujours là, hein, une espèce de feutres poilus, qui viennent se poser contre la peau. Système propre à Saint-Laurent et absolument hallucinant. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était donc le patron, Horst Link, qui signait, donc il fallait qu'il y ait tout ce qu'il pouvait de mieux. Ça pèse quand même très lourd, donc au transport, c'est pas pratique. Par contre, vous mettez ça dans un studio, le mec qui sort sa batterie, vous lui faites essayer celle-là, et il prend pas sa batterie. Alors moi, si c'était pour moi, je mettrais des peaux blanches, mais là, il y a des peaux pinstripe, bien rincées certainement. Bon, ça sonne quand même, hein, faut pas abuser. Alors c'est reparti. Exceptionnel, ça vaut très très cher, hein. Plus ça va, plus c'est rare, c'est là en très bel état, ça vaut vraiment le coup, quoi. Alors je vous montre quand même vite fait, avant de vous quitter, le système de sourdine, c'est hallucinant. Voilà, ça, là, il y a les deux bandes, et ça, c'est un système qui est relié à une tige, qui va traverser le fût. Et il y a le petit papillon là qui fait que ça appuie ou pas sur la peau. Voilà, et bien alors Sonorance Link, c'est absolument effarant. A bientôt pour de nouvelles aventures. Dutch Qualität!